fuck. Bien, attendez. Attendez, de la bouffe. Est-ce qu'on va, on va manger un œuf, puis on va manger ça, ça. Ouf. Ah merde. J'ai pas esquivé. Yes. Yes, yes. Ouh, un petit coffre. Alors, un petit coffre, un petit chest. Oh. Attendez. Caramé. Ah. Putain, en fait, non, ça veut pas du tout. Pff, ça veut pas du tout. Ah, mon chaton va dormir. C'est ça qui me fait plaisir. Bon, pantalon aérien. Ce pantalon est très répandu et confectionné à partir d'un tissu léger et robuste qui le rend très confortable. Il est particulièrement apprécié des voyageurs. Ouh oui. Ah yes. Alors on est pimp quand même, on est un petit peu plus pimp qu'à poil. Certes il est peut-être sexy mais voilà quoi. Il y a des limites, on n'est pas du tout protégé. Bon. On va aller tout simplement faire quelques trucs. Un truc secondaire, le truc secondaire que j'ai en tête. Oh, non ! Attendez ! Attendez. Il est où ? Putain, j'avais pas vu, merde ! Ah merde, attendez. Attendez, il y a bien moyen d'obtenir un autre. Oula. Il y a pas moyen d'obtenir un autre. Mais vu que c'est le seul arbre qu'il y a pratiquement ici. Enfin non, il y en a là-bas. Ah mais il descend. Oh quand. Est-ce qu'il y aurait des œufs de volatile en haut? Oh yes. Alors comprendre pourquoi ça se retrouve dans les arbres. Ah bah oui c'est vrai, il y a les œufs, les. Ah oui par contre, je suis désolé, j'ai oublié de faire ça. C'était vers ici en fait. Il y avait. On se réfère à la carte. Là-bas il y a le lac. Le lac il est au fond. Le sanctuaire de la Renaissance, il est où en fait? Nous on sort de là-bas. Donc ça signifie que le truc était environ. Ici. Donc on va mettre ça, on va mettre un truc mystérieux. Voilà. Ça aurait été bien qu'on aurait pu renommer. Putain mon chaton, arrête de faire des conneries. Oh là là, je vous jure aujourd'hui, il fait que ça. Alors là, vous êtes prêts les amis? Vous êtes prêts? Hop. On va pas descendre, on va juste aller ici. On va faire ça aujourd'hui et puis on va s'arrêter là. Ça aurait fait un bon épisode, je pense, pour vous un petit peu plus long. Ouf. Descendre. Alors là, maintenant, il faudrait y aller tout doucement. Attendez. Parce qu'il faut pas du tout me faire entendre ou repérer. Donc il faut que je maximise plus mes chances de mon côté. Comme ça, au moins, je vise le truc qui est en haut. Corne de Bocoblin, croc de Bocoblin et arc Boko. Ouais, arc Boko. Cet arc dont se servent les Bocoblins est des puissants mères. Une simple corde attachée à une branche d'arbre, ce qui ne le rend pas particulièrement puissant. Arc passé facilement d'un arc à l'autre, équiper un arc, maintenir, charger. D'accord. Là, il faut y aller hyper doucement. Je vais pas prendre le risque de monter parce qu'ils peuvent me repérer. Donc, je vais un petit peu m'éloigner. Voilà. Là, je peux faire ça. Voilà. Je me relève. Non, je vais peut-être faire ça. C'est beaucoup mieux. Alors, non. Link. Allez. Allez, putain, je vais y aller. Ouais, comme ça. Voyons. Oui, j'ai bien géré. Là, parce que dans ce jeu, tout est dans la discrétion. Dans la discrétion. Regardez bien ce qu'on va faire. Maintenant, on va prendre un arc. Fade. Flèche en bois. Parce que lui, je sais qu'il est puissant. Voilà. Allez, vite. Il faut lui voler son truc. Non, putain. Allez, attendez. Maintenant, on va servir d'une arme assez balèze.
Oui, vas-y. Massue à pointe Boko. Cette masse bokobline est un peu particulière et a été conçue à partir de matériaux rigoureusement sélectionnés. Les assaillants sont dévastateurs quand ils se font bouche. Donc c'est 12 de dégâts. On va la prendre. Parce que une... Voilà, yes. Là. Là. Il est où mon chaton? Là, ça s'appelle pas gérer. Il est où mon chaton? Mais il est où? T'es où? Attends, bon, je sais pas. Mais bon, on va s'arrêter là. Mais en tout cas, j'ai... Je trouve... Là, par contre, pouce bleu pour cette action. Hein. Visière de Bokobin. Tout était planifié. Vraiment, il n'y a aucune chance. Tout est dans le skill, là. Vraiment. Je ne veux pas me la péter. Mais quand je fais des bonnes actions, des fois, je le dis. Parce que, certes, je fais beaucoup de merde dans les jeux vidéo. Mais quand je fais des bonnes choses, je le dis quand même. Visière de Bokobin. Cet organe de Bokobin qui semblait être animé d'une volonté propre est un matériau rare, c'est un peu dégoûtant, c'est vrai, mais c'est vous lui que vous trouverez sûrement une utilité. Ouf, bon, on ira à la tour donc dans la deuxième vidéo. Donc on ira dans l'endroit, enfin à la tour, qu'est-ce que je dis? Alors, on ira dans l'endroit dans la deuxième vidéo, celui-là, parce qu'il n'y a pas de tour, mais voilà, on ira dans l'endroit dans la deuxième vidéo. Donc on va directement ouvrir d'abord le coffre. Moi je prédis quoi? Je prédis un nouveau type de flèche. 5 flèches de feu, parfait. Enfin, évidemment, je me souviens pas du jeu à 100% non plus, hein. Mais je regarde l'esprit de Stefano, donc j'ai quand même pu me rappeler pas mal de points. En tout cas, je suis quelqu'un qui a une très très bonne mémoire, donc je profite un peu de me la péter après cette douloureuse, cette action sensationnelle. Ces flèches imprégnées d'un pouvoir des flammes brûlent tout ce qui lui entoure à l'impact. Elles sont particulièrement efficaces contre les éléments de froid. Équipe d'un arbre, maintenir chargé. D'accord. Ben écoutez, on va s'arrêter là. Donc on va se quitter sur une belle vue. Voilà, parce que je préfère quand même vous quitter sur une belle vue. Donc on va monter, on va escalader une petite paroi. Oh, j'aurais pu me servir de celui-là aussi, mais bon. Voilà, on va regarder, on sait jamais si une lune de sang, ça peut repopper. Et ça peut faire encore des dégâts. Bref. Je vais me mettre ici. Sinon c'est là où je vois un Korogu. Bon, il faut quand même pas non plus abuser, faut pas avoir tous les jours non plus des Korogu, faut pas avoir tous les temps, même si le jeu est hyper grand, il y en a énormément. D'ailleurs le Korogu normalement il a été compté, je dis si je me souviens bien. Putain, le con. Donc je vais sélectionner. Ah, il a été marqué. Ah putain, regardez, normalement le Korogu il est là. Alors le Korogu, s'il est là, si la carte elle est comme ça, ça signifie que c'est, alors c'est un petit peu vers ici environ qu'il y a le truc. Que ici, putain, oh j'avais, oh, ça c'est, vous avez vu quand même. Bon, je suis quelqu'un qui est aussi bonne en orientation, très, enfin bonne orientation, bonne orientation, donc c'est pour ça. Oh là là. Donc en fait ce jeu, c'est pour moi, c'est pour ça que ce jeu, il est énormément destiné à moi. Hein, les jeux Skyrim et tout, il est énormément destiné à moi. Et au cas où j'avais même prévu de baser la chaîne que sur des jeux open world, que finalement je me suis dit non, vaut mieux faire autre chose, ça va être divertissant. Voilà tout. Donc j'espère que cette vidéo les amis vous aura plu. Dans la prochaine épisode on ira se rendre là-bas au fond, donc dans la petite crevasse. Mais avant, regardez ce qui nous attend. Voilà, il y a des petites personnes qui nous attendent. Mais vraiment j'espère que cette série va vous plaire. Je suis quelqu'un qui est normalement très bon dans ce type de jeu. Même si vous me voyez un petit peu galérer, c'est un peu normal parce que c'est la première fois que je touche une Switch de ma vie. J'avais jamais même au magasin touché une Switch, donc c'est la première fois. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents sur la manière de jouer que j'ai eu aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, ça va être pas du tout pareil durant les prochaines autres vidéos, parce que je vous dis, les prochaines autres vidéos, je me serais déjà fait, à part peut-être la deuxième, peut-être la troisième vidéo, la quatrième, et peut-être à partir de la cinquième vidéo, je me serais vraiment bien habitué au niveau du jeu. Mais voilà, donc vous avez vu, je suis pas mort une seule fois pour le moment. On est à l'épisode 1, aucune mort. Donc c'est pas mal. J'espère qu'on tiendra la route, même si ça m'étonnerait. Mais j'espère qu'on tiendra la route aussi longtemps qu'il ne le soit. Et on se dit très vite pour de prochaines vidéos. C'était Rintishai. Et juste pour éviter de se quitter sur une tenue, sur cette tenue, parce que bizarrement j'ai quand même envie de laisser Link un petit peu sexy, en gros. Oh, on va l'appeler comme ça l'épisode, Link sexy. Non vraiment, oui si, pourquoi pas, Link sexy, parce que jouer le jeu, ça serait énorme. Mais voilà, oh là là, alors si ça c'est pas magnifique, ah non mais là, attendez. Alors là pour la miniature, ah non la miniature c'est vrai que je m'utilise des cinématiques. Mais au cas où, alors là, si vous trouvez pas ce point de vue sublime, oh là 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 là.
Oh putain, ce jeu, je... En plus, avec le rayon de soleil, regardez. Si on le met sur le visage de Link... Oh putain. Alors là, on a le point de vue... Là, comme ça, on a le point de vue idéal. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Redishy. Et on, comme d'habitude, à la façon Star Bleacher. Mais cette fois-ci, un peu modifié, que j'ai parodié, limite... Donc, Vertel. Non, je pense, ça, je vais toujours le faire, ça. Je vais toujours le faire. Parce que Oster Bleacher, je sais pas si vous connaissez le youtubeur, mais en tout cas, c'est un youtubeur. Et lui, c'est un youtubeur. Mais en fait, à la fin de cette vidéo, il dit oh yeah. Oh yeah, je crois qu'il dit un truc comme ça. Et moi, je vais le faire d'une façon Vertel. Donc, au lieu de dire oh yeah, je vais dire oh yes. Petite référence également à Medaton. Donc, aux vrais qui connaissent. Oh yes.